comment on passe de ton club de quartier à la seule académie de foot professionnel de la province à l'époque? Honnêtement, c'était spécial parce que, disons, quand je suis arrivé aux Étoiles de l'Est au niveau compétitif, je jouais toujours encore plus haut sur le terrain. Donc j'étais encore en milieu de terrain, 8, des fois de temps en temps ailier, mais j'étais un peu plus en milieu de terrain offensif. Et j'ai eu plusieurs coachs au fil des années. Et plus je voyais, plus les années avançaient, plus je descendais de poste. Donc je voyais, j'ai commencé, on va dire, attaquant. Après ça, je suis allé ailier. J'ai changé d'entraîneur, il m'a mis en 10. J'ai eu un autre entraîneur, il m'a mis en 8. J'ai eu un autre entraîneur, il m'a mis en 6. Et je me rappelle, c'était Alex Salvoni, c'est un de mes coachs, et Sandro Grande. Il m'avait vu un de mes entraînements. On était à Leblanc, le terrain Leblanc. Et je me rappelle comme si c'était hier. On fait un schéma, donc on prépare un match. Et il dit, Garven, tu vas derrière. Au début, je comprends pas. Bah oui. Je comprends pas, je me dis, comment derrière? J'ai jamais joué là de ma vie. Il me dit, t'es derrière. Je dis, ok. Au début, je comprends pas. Je dis, vas-y, moi, je me suis jamais vraiment plaint, tu vois. Donc, je suis allé, j'ai fait mon taf en centrale. Et à partir de ce moment-là, je suis resté à ce poste-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je suis resté défenseur central. Donc, j'avais fait des sélections régionales, comme ça, et tout. Et je crois que c'était quelle année? U12, il y avait les Jeux du Québec. Ouais. Donc là, je jouais un peu central et latéral. Donc, aux Jeux du Québec, j'avais joué latéral. Et je pouvais jouer les deux. Donc c'est là que tout a commencé. Je me suis fait repérer par les équipes du Québec et tout. Et je me rappelle comme si c'était hier, on était à l'église. Je revenais et il y a eu un appel sur la boîte vocale. Et c'est l'Académie de l'Impact qui m'ont dit bonjour aux parents de Garven et tout ça là. On a vu vos joueurs, votre fils jouer. On suit votre fils depuis quelques années, depuis quelques mois. Et on serait intéressé à l'inviter aux détections de l'académie. Donc, en tant que défenseur central, c'est là que j'ai été. Donc, j'ai fait les détections. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et c'est là que j'ai intégré l'académie du CF.